à tous les internautes du monde entier parce que nous sommes encore là à votre rendez-vous des traitements de la peau, à votre rendez-vous de chaque jour. Maman Tina, la grande dame, met à votre disposition cet espace pour vous donner des conseils concernant la peau. Moi, Mireille Opima, je suis là et je ne suis pas celle toujours accompagnée de ma consoeur Sabina Yoko. Et sans oublier la grande dame qui a conçu cet espace pour vous donner beaucoup de conseils, pour vous donner beaucoup de remèdes pour votre traitement de votre peau. Et je dis déjà bonjour à Maman Tina. Bonjour Maman Mireille. Bonne année. Bonne année, maman. Et à tout le monde qui nous suit en ce moment. Comme maman Mireille vient de dire, j'avais vraiment fait un effort de trouver cet espace à l'internet pour essayer de vous parler de la beauté, de la peau et ses soucis. Parce qu'on a des fois une belle peau, mais on a d'autres soucis qu'on ne peut pas résoudre. Bon, moi je suis bien placée pour vous accompagner, pour que vous ayez une beauté resplendissante, magnifique et à vie aussi. Parce que la beauté doit pas être en deux temps. Si vous êtes belle, c'est pour toute la vie. Voilà. Donc, je suis là pour vous et surtout que c'est la nouvelle année qu'on commence. Et je crois qu'il y aura quand même pas mal de cadeaux au niveau conseil de la nouvelle année qu'on va attendre de vous. Vraiment, merci Maman Tina. Elle a gardé beaucoup de surprises. L'année 2016 était finie comme ça, avec des surprises. Et on commence encore cette année 2017 avec beaucoup de surprises. Maman Sabrina aussi est là. Maman Sabrina, bonne année à vous. Bonne année Maman Mireille Opema. Bonne année Maman Tina Lafesse, la grande. Bonne année à vous. Merci beaucoup Maman Tina. Nous entrons aujourd'hui dans l'espace technique parce qu'il y a beaucoup de gens déjà, ils ont acheté vos produits partout en Australie, partout les... même en Inde. J'étais surprise l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis l'Inde pour me recommander le produit de Maman Tina. Et ils ont déjà acheté, ils ont déjà utilisé. Maintenant nous entrons aujourd'hui sur le plan technique. Sur le plan technique, qu'est-ce qu'ils peuvent encore rajouter pour renforcer leurs soins à travers la crème Mireille? Évidemment, Maman Mireille, vous avez parlé de l'Inde, pourquoi pas la Chine et le Japon? Parce que Marie Lafesse, que je salue, ma fille bien-aimée, elle envoie souvent des colliers en Chine et au Japon. Évidemment, je vais remercier le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce de concevoir une chose, de faire une chose avec amour et que cette chose aide toute la population congolaise et les extrémités, cela veut dire en Afrique, Angola, Brazzaville, et surtout le monde entier. C'est une affaire qui concerne maintenant le monde entier. Je vais prendre des crèmes conçues par exemple en France, je ne citerai pas les noms. Je crois que cette crème ne va pas traverser jusqu'à l'heure en Inde ou au Japon, je ne sais pas moi. Mais parce que la différence, ça vient que cette crème que j'ai conçue, cette crème que j'ai fabriquée, c'est une crème qui fait 3 en 1. En fait, la crème va jouer sur l'embellissement de la peau, elle va jouer sur le traitement de la peau, la même crème, elle va jouer sur le rajeunissement de la peau. Donc ça fait 3 en 1. Une crème vraiment innovée, une innovation actuelle. D'ailleurs, je crois que les gens qui ont le temps de rentrer dans les sites internet, ils voient souvent les vertus de l'escargot. En fait, c'est la base d'escargot qui me fait ma force. Et qui fait la force aussi de cette crème miracle. Elle s'appelle Miracle Paporia, parce qu'elle fait vraiment des miracles. Merci beaucoup pour ta question que je n'ai pas oubliée. Vous avez demandé les vertus de l'escargot. L'utilisation. L'utilisation, oui, parce que les gens déjà ont acheté. Je reculerai après pour dire d'abord parler des vertus de l'escargot. Parce que quand on connaîtra les vertus de l'escargot, on comprendra bien dans quelle position que je suis pour essayer d'utiliser cette crème. Parce que le vertu va s'étaler sur tous les problèmes de la peau. Je vais commencer par l'arantoïne. L'arantoïne, c'est une substance vraiment magnifique. Elle est régénérateur de la peau. L'arantoïne va faire une action magnifique. Donc elle régénérera la peau comment? Elle laissera tomber toutes les cellules mortes de la peau. Parce que quand une peau, elle est belle, les cellules sont fortes. Cependant, si la crème, la peau est abîmée, elle va se retrouver avec des cellules mortes. Et ces cellules mortes que l'arantoïne va faire tomber. Et ce phénomène-là va se traduire aussi aux vergetures. C'est toujours l'arantoïne qui va agir. Au cas des taches dues à l'hydroquinone, l'arantoïne va agir. Évidemment, les brûlés, les gens qui ont subi la brûlure de la peau,
c'est vraiment l'Andouille qui va nous régénérer la peau, ça va redevenir comme avant. On va quitter ce secteur, on va aller dans le secteur de peptides et antibiotiques. Alors là, c'est magnifique. C'est ça où je trouve que la bave d'escargot est fantastique. Donc ça va commencer à soigner tous les microbes qui se trouvent sur la peau. Parce que quand on a le mycose, parce qu'il y a des bactéries qui sont sur la peau qui fait que vous avez des mycoses. L'eczéma, c'est pareil. On va voir le PC, des maladies qu'on dit, c'est africain, typiquement africain, on a jeté une PC à quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas jeté le PC à quelqu'un. C'est une maladie que peut-être les Européens n'ont pas pu découvrir. Parce que moi, ma crème élimine le PC et totalement. L'eczéma, les gens qui sont concernés à ça, font des dermatologues, utilisent des outils de crème. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais la crème avec l'escargot résout le problème de l'eczéma. Donc, on va aller du côté du vieillissement. La collagène que la bave contient va rajeunir ses peaux. En fait, quand l'antoline va faire tomber des mauvaises peaux, régénérer la peau, maintenant, les vitamines de la collagène vont venir agir pour laisser cette peau jeune. Donc, il n'y a pas mieux que la collagène pour régénérer la peau. On va voir maintenant les vitamines. Parce que les vitamines vont faire que la peau reste rigide, la peau va rester épaisse, la peau va rester forte. Parce que des fois, les intempéries, par exemple, qui se trouvent en Europe, quand il fait très très froid, la peau doit supporter ce froid-là. Évidemment, il faut que la peau ait des vitamines. Et la bave en contient. On retourne chez nous en Afrique, parce que je suis rentrée en Afrique, je parle maintenant, je suis chez moi ici, je ne suis plus en France. Le soleil horrible qui ça frappe, nous avons tout de 11h jusqu'à 16h. Pareil, les vitamines vont constituer une protection de la peau face à ce soleil horrible. Parce que les rayons solaires, quand ça frappe la peau, ça fait aussi des dégâts. Donc autour de ces vertus, on va retrouver une peau saine. Évidemment, on va parler des techniques. Et je crois que, vraiment, Mireille, vous allez vous-même dire aux gens qui achètent si ils ne savent pas utiliser, c'est pas bien du tout. Évidemment, quand on utilise une crème, il y a déjà les notices. Et généralement, les gens m'appellent, ah, il n'y a pas de notice. Oui, ça viendra. Chaque chose en son temps. Il y a eu d'abord le temps de la fabrication, maintenant le temps d'agitation des papiers, parce que le notice va rentrer en même temps avec les derniers documents que je suis en train de faire. Au niveau de la ministère de la Santé de la RDC. Parce qu'ils ont donné les documents, il reste le dernier soin pour mettre la notice. Parce qu'en ce moment-là, les crèmes peuvent sortir du pays pour aller ailleurs. Il y a plusieurs normes. Les pots seront fermés hermétiquement. Tout cela, ça va de pair. Donc d'ici là, comme on a commencé l'année, on sera à ce niveau-là. Et c'est comme ça que les gens qui sont à l'extérieur peuvent m'appeler pour représenter, pour revendre, pour éparpiller ça. Parce que c'est un produit qui est magnifique. Magnifique. Donc, il faut un certain temps. Maman, tu n'as, il y a un petit souci au niveau de la République démocratique du Congo. Les gens disent que le soin de visage fait vieillir. Le soin de visage fait vieillir. Maman, tu n'as, est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup, Maman Sabrina, pour ta question. À ces propos-là que tu viens de dire, c'est faux. Je vais vous démontrer pourquoi c'est faux. C'est pourquoi j'aimerais bien que les gens aient un peu à l'école, s'instruire, apprendre encore plus, pour commencer à passer dans les télévisions ou propager de nouvelles. D'abord, le soin des visages est capital pour une beauté de la peau. Une peau qui ne subit pas des soins, c'est cette peau-là qui va vieillir. C'est cette peau-là qui aura des soucis, des problèmes, par exemple des boutons, des problèmes de non-éclat. Des problèmes de raideur, donc pas mal de choses. Parce que, on parle d'abord d'ici, parce que vous parlez au Congo, heureusement, parce que moi j'ai étudié en France, j'ai fait les esthétiques là-bas. On m'a dit qu'il faut des soins de visage. C'est pourquoi vous parlez du Congo, je comprends. Parce qu'on apprend des choses qui sont fausses généralement. Je parle du Congo, on dit que ça fait vieillir. Au Congo, nous avons la poussière incroyable, qu'on appelle la pollution. Au Congo, on a le soleil horrible. Quand il fait chaud, vous sentez la chaleur jusque dans les chairs de la peau.
Au Congo, nous n'avons pas beaucoup de bonnes choses au niveau de cosmétiques. Par exemple, nos savons qu'on se lave avec, c'est fait qu'avec l'huile de palme, avec le soude caustique. Et après cette formule, vous rajoutez la coloration, ça va prendre la couleur. Et pour finir, avec le parfum qui va donner l'odeur à ce savon. Or, nous savons très bien, le parfum, c'est un produit chimique. D'ailleurs, quand tu vas te parfumer, tu mets aux habits, tu mets loin de toi. Parce que sinon, ça va abîmer la peau. La coloration, c'est pire encore. C'est des produits chimiques. Or, les savons que les gens se lavent ici au Congo tous les jours, c'est ces bénignes savons, là, les savons inutiles, les savons sans valeur. Et ça laisse des dépôts, la preuve. Même des gens qui vivent en Europe, quand ils viennent ici, quand ils se lavent avec ces savons, ils remarquent que sur leur baignoire, ça reste de tarte, ça reste la couche de graisse. C'est la même couche qui va rester sur les visages. On voit de l'autre côté, ces parfums qui parfument ces savons, c'est déconseillé pour la peau. Surtout les visages sont fragiles, donc ça va faire du dégât. Mmh. Tu peux avoir des éruptions de bouillie à cause du parfum. Mmh. Et les mauvaises crèmes qu'on a fait ici dans ce pays, des crèmes faites seulement avec l'huile tournesol. Mmh. Moi je parle de l'huile de beignet. Mmh. Ils remplissent seulement l'hydroquinone. Et après ils font cette huile, cette crème-là, X. Et ça laisse aussi des dépôts. Tu vas voir l'enfant à l'âge de 16-17 ans fait beaucoup d'acné, des boutons. Parce que l'huile qu'on a fait, la crème, n'est pas bonne. Au lieu d'utiliser les bonnes huiles essentielles, ils utilisent l'huile de la cuisine. Donc, il faut enlever ces dépôts des huiles-là. Il faut enlever les dépôts du parfum. La poussière de la rue, les soleils. En tout cas, une femme qui vit au Congo ou en Afrique, qui ne fait pas des soins de visage. C'est une femme qui doit avoir une sale peau, une peau abîmée. Vraiment, maman Tina, même si elle brille, elle est trop claire là, donc c'est une sale peau. D'ailleurs, quand tu dis elle brille, je veux savoir, je crois que sous-entendu, elle est claire par l'hydroquinone. Mmh. Voilà. D'ailleurs, là, c'est grave encore, parce que l'hydroquinone qui rentre dans ses pores, ça va faire son dégât qu'on connaît. Ça va craquer les vaisseaux sanguins, ça va éclabousser le sang. Ça va faire l'hémorragie cutanée, c'est ça, on va pourrir. Vraiment. Or, si cette personne que tu dis qui est trop claire fait un peu de soin, ça, cette peau-là fragile, qui est là fragilisée, qui est fine, parce que s'éclaircir, c'est enlever les couches de peau. Donc cette peau fine, si on la lave, elle pourra au moins respirer. Vraiment. Parce que le soin des visages, les gommages, plus précisément ce que j'ai fait dans mon institut, fait respirer la peau. Vraiment. Nous avons des narines. Il y a des trous, c'est pourquoi on respire. Une peau a besoin de respirer. Et ça respire après un bon soin du visage. Mais faites attention quand vous parlez que les soins s'abîment. Parce que je vis des soins ici au Congo. Quand je te rentrais de la France, j'avais pleuré. Tu sais, dans d'autres salons de coiffure, ils ont fait bouillir de l'eau dans le bouloir. Ils ont mis la personne sous la serviette. Parce que serviette, c'est ce que vous disiez, essuie-main. Et la personne dedans, elle a une fine couche de peau. Donc elle a enlevé des couches par l'hydroquinone. Et la personne qu'elle est sortie, elle était toute rouge. Donc elle a eu des craquements des vaisseaux sanguins avec la chaleur. Là, c'est la chaleur brute. C'est même pas la chaleur du soleil. Là, c'est la chaleur brute. Et j'ai demandé à la dame, vous savez que vous aurez des taches dans peu de jours. Elle m'a dit pourquoi. Elle dit, ces rougeurs que vous avez dans le joue, c'est déjà l'hémorragie cutanée qu'on vous a fait dans ces salons de coiffure. Moi, j'appelle ça les salons de Binzabinzabi. Ce n'est pas leur faute, parce qu'ici au Congo, quand tu as 10 dollars, quand tu as 20 dollars, tu trouves ton emplacement, tu fais ton salon. Au contraire, à l'étranger, moi j'avais un salon à Corbeil-Essonne, rue 11 novembre. Pour l'ouvrir, j'étais obligé de faire la formation, je devais exhiber le diplôme de coiffure, et c'est là où j'ai eu l'autorisation de l'ouvrir. C'est pourquoi les choses se font dans la norme. Et je crois que ce pays, il va avoir quand même certaines lois pour que les gens n'ont pas les salons. Parce que la dame a été sortie avec les joues rouges. Donc ces salons lui ont incriminé les taches. Donc les soins, on ne devait pas faire avec l'eau bouillante, les bouilloires. On devait faire avec la vapeur, l'appareil à vapeur. Parce que l'appareil à vapeur, on dit forfait, c'est dosé à la chaleur que le visage peut supporter. C'est ça que j'utilise dans mes instituts ici à la RDC. Donc le soin des visages est à faire.
c'est pas à ne pas faire. C'est des faussetés que les gens racontent. Merci beaucoup, maman Tina, parce que vous avez eu le temps vraiment d'expliquer et expliciter la chose, de faire voir aux gens l'importance de faire le soin des visages. Ça ne fait pas vieillir, comme vous avez suivi maman Tina. Plus ou moins, ça rajeunit encore et puis ça arrange votre peau. Ça nettoie tous les dégâts de la peau, tombe. Merci beaucoup, maman Tina. Sabrina Yoko, un petit dernier mot pour clôturer. Il me reste quelques petites poussières de minutes. Voilà, je suis pour maman Tina, pour Mireille Lopema, parce que les soins de visage, ça rajeunit, c'est vraiment important. Il faut que ça la gagne au moins une fois par semaine, c'est très 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 important pour la peau naïo. Il faut que ça la soigne le visage et ça a moi bien, et ça a moi bien, ça va faire le tête de tchaka, moi, mon bimba, aux en attend tout ma poudre, et après, le tchaka, et ça a moi bien, ma casse. Soin de visage, des écosungayo. Pour Babylo, à la langue, et ça en a inconvénient. Crème, mais ça c'est mort, comme j'ai l'habitude de les dire. Clocra miracle, et avec ma matinale, panneau solaire, éclairage public, appliquer cette crème. Parce que moi, auparavant, j'avais des vergetures, des doutes, j'avais des taches. Vous avez une image, j'avais des taches, mais. Grâce à Crème Miracle, fait à base de la bave de Scargondé et fait rajeunir Ngal Soussouboye, n'a comme Pembe, n'a comme n'a retrouvé couleur Ongal à Lingaki, n'a tambo la canassé à Moui, n'a tambo la canengue à Lingi, n'a zakana tacheté, n'a zakana ban convenant, n'a mon côté, pour n'a reza chlore, n'a gozo mon ango, gozo sans tache, n'a bien, et n'a n'a envie à peu, Mireille, au peu, madame métisse noire, c'est grâce à Kaya Crème Miracle, faites-nous confiance, achetez. Abonnez-vous dans notre site parce que l'émission Onde est arrivée. La cabine va se créer à beauté. Beauté à moi, c'est quand la soupe qui te met la couleur, c'est très important. Merci beaucoup, maman Tina. Nous revenons encore chez vous pour un petit dernier mot. Je rappelle aux gens qu'il faut vous abonner à notre site. Hein. Donc, il faut vraiment à tout moment Kokotaka parce que ça donne, ça révèle beaucoup de choses. Hein. Maman Tina, un petit dernier. Merci, maman Mireille. Je crois qu'on retourne dans ta dernière question de technique. Les techniques, quand tu mets cette crème, tu commenceras par faire les gommages. Quand tu as une tache, attaque une fois, deux fois la semaine. Quand tu as une tache. Quand tu es sans tache, une fois. Pourquoi une fois? Parce que l'escargot, dans sa pratique, enlève la peau que tu as en face de toi, va ressortir une nouvelle peau. Donc c'est ça que je dis qu'il renouvelle les cellules de la peau. Donc si tu fais les gommages, cette peau qu'on a enlevée, ça va tomber. Et la nouvelle va ressortir. Il faut laisser la place. Même les serpents, quand ils avalent quelque chose, quand ils laissent cette peau-là, il doit rester longtemps. Mais toi, tu n'as pas besoin. Tu utiliseras seulement les gommages faits à base d'escargot. Tu vas enlever la sale peau pour que la nouvelle reste. Et en faisant les gommages, c'est un soin du visage. Puisque vous mettez tout le temps l'escargot, donc il faudra. C'est pourquoi il y a des filles qui mettent ma crème. Les gens demandent hey, elle est claire, c'est une métisse. Elle dit tout de suite non, je ne suis pas métisse. J'étais née claire. Mais à force d'utiliser la crème de Matina, donc la régénération de ma peau se fait. Aujourd'hui, je suis claire comme une métisse. Sabrina qui avait une peau abîmée avec des taches, quand elle mettait cette crème, cette peau tombait jusqu'à ce qu'elle a retrouvé sa belle peau. Donc, faites vos soins. Vous qui utilisez mes crèmes, faites les gommages une fois la semaine. Après le gommage, vous frottez, vous frottez, vous finissez. Vous prenez l'œuf, jaune d'œuf, cuillerée de l'huile d'olive, vous mélangez. Vous mettez sur votre visage, ça c'est le cap des vitamines. On a parlé des vitamines qui sont importantes pour protéger votre peau. Et après 30 minutes, ça va serrer, vous rincez. Si vous avez la bave pure, parce que je vends la bave pure, je ne sais pas s'il y a un magasin, même Elessina ou Lena, ceux qui ont fait les crèmes à base d'escargot, vendent la bave pure. Ils ne peuvent pas vous le vendre. Moi, comme je veux que vous soyez belle à vie, je vends la bave pure. Vous mettez d'abord la bave pure 100%. Et puis vous mettez votre crème du jour, si c'est le jour, votre crème de nuit, c'est pour le mois, la nuit. Et le corps, j'ai la clarté. Parce que le corps est dur, ça crème un peu plus fort. Et on va rajouter l'antiride, l'antitache au-dessus des gens qui ont des taches. Et d'autres m'ont posé la question, je n'ai pas des rides, je veux mettre l'antiride. Bien sûr, parce que moi, je mets l'antiride pour prévenir aux rides. Donc, il n'y a rien à jeter dans la gamme. Il y a 7 produits, crème visage matin, crème de visage soir, crème du corps, gommage, savon, bave pure et puis anti-ride, anti-tache. Donc, tous ces produits-là, ça fait la gamme des 7 produits. Quand vous êtes à Kinshasa, vous achetez la gamme à 70$. Quand vous êtes en Europe, parce qu'on envoie des gros pots en Europe, ça fait 130€. Si vous êtes à Londres, on va convertir. Si vous êtes, je ne sais pas moi, en Chine, on va convertir. Donc, il n'y a pas de problème, ça ne change pas de prix. Qu'on ne vous montre pas, la gamme de Mama Tina coûte 130€.
euros. Si je revends au commercial, je vais le vendre moins cher pour qu'il retourne au même prix de Mamatina, 130 euros, pour 7 produits qui vont vous rester pendant des mois et des mois. Or, les autres gammes en France, quand vous achetez, je ne peux pas dire le nom, 255 euros, vous connaissez cette crème-là qui est la dernière. Déjà, ça ne va vous rien faire et ça va finir avant parce que c'est des petites portions. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse. Tous. Merci beaucoup, Maman Tina. J'espère que tous nos fidèles amis ils ont profité à des conseils que vous mettez à leur disposition à chaque numéro de nos émissions. Merci beaucoup. Adhérez-vous à notre chaîne YouTube, l'Africargo Maman Tina. Vous tapez Africargo Maman Tina. Vous ne serez pas déçus. Il y a toujours des surprises. 2017, une pourcentage sans problème. Merci beaucoup, Maman Tina. À nous revoir très bientôt.